La tutelle du coach Odette Dossa, gestionnaire financière, a lieu la clinique de la santé et du bien-être de ce vendredi 17 novembre où membres, ambassadeurs et sympathisants du FIAD UIDA sont venus prendre leur dose d'énergie positive. Une soirée exceptionnelle entamée avec le patriotisme et l'appartenance au FIAD, fièrement mise en valeur par le coach Marcel Quimpé, enseignant, et mademoiselle Catherine Aïko, choriste. Ton soir, offre à chacun. Je m'engage. Autour de l'ambassadeur Michel Lantéi, technicien supérieur en analyse biomédicale, de s'acquitter de la tâche qui lui incombe en décrétant de façon chaleureuse la bienvenue à tous. Cher ami de la Gagne, nous avons eu la noble intelligence de choisir la bonne part. Sans distraction, je vous demande de nous installer confortablement pour décrocher ce logiciel de l'argent. La trilogie Vision, Mission et Valeur, qui sont les trois piliers du FIAD, sera exposée par le coach Olivier Sodonon, moniteur d'auto-école. Pour ce qui est de l'association FIAD Monde, sa vision est l'édification d'un monde pacifique. Et pour y arriver et dépasser un certain nombre d'ignorances, de confusions et autres, il faut la mission. Celle de forger le caractère des êtres humains par une formation continue. Le mental ainsi prédisposé à recevoir l'orateur de l'unique exhortation de ce soir, le coach Valère Bocan, technicien en mécanique générale, nous motive à mettre l'amour au cœur de tout. Après chaque succès, nous avons de nouveaux challenges qui apparaissent. C'est relever ces nouveaux challenges qui nous garantissent le succès de demain pour aller au sommet. Chers amis, je nous demande de ne jamais abandonner. Et pour ne jamais abandonner, je nous demande de mettre l'amour au cœur de toutes nos actions, qui est le puissant premier pouvoir du développement personnel. Le MC, coach Odette Dossa, divinement inspiré, fait encore fort avec son développement du thème « Le logiciel de l'argent ». Pour avoir de l'argent toujours et partout, il est indispensable d'installer le premier paramètre qui définit Dieu. Ce premier paramètre nous explique qui est Dieu. Après avoir compris qui est Dieu, de nettoyer notre cerveau pour effacer la première mauvaise croyance que nous avons commise jusqu'à un moment donné. Connaissant Dieu, je peux maintenant disposer mon esprit qui est le laboratoire de mes pensées et mon cœur qui est le lieu de communication entre Dieu et moi. C'est le deuxième paramètre. Étant conscient que Dieu est la source de mes biens, étant conscient que Dieu est individualisé en moi, c'est-à-dire Dieu travaille pour moi tous les jours, c'est le troisième paramètre. Que gagne-t-on en utilisant le logiciel de l'argent? Les 10 paramètres installés convenablement ont des effets. Avec le logiciel de l'argent, nous gagnons de l'argent en abondance partout et toujours. Mais nous élevons également nos vibrations. Cette installation réussie nous met en communion permanente avec notre Dieu Jésus. Ce puissant message arrosé des mots d'appel à contribution du coach Pélagie Adigbe, opératrice de saisie, décide les participants à contribuer. Dieu donne avec plaisir la joie, la santé, l'emploi, le bonheur conjugal et il y a de la richesse dans la générosité. Prenons les enveloppes, déposons de bonnes semences, décrétons là-dessus notre santé, notre joie, notre prospérité, notre bonheur.
Cette soirée se poursuit avec de hautes vibrations de l'atelier de programmation conduit par le professeur des SVT, M. Malik Rouanro, Mademoiselle Immaculée Assangba, élève, et M. Emmanuel Dohou, maraîcher. Le cocktail spécial vient achever ce magnifique rendez-vous. Après avoir vécu une si belle soirée, quelques participants se prononcent. Ce que je retiens de cette soirée, c'est le message qui m'a touché. Le message qui portait sur le logiciel de l'argent. Et ça m'a permis de comprendre que dans mes programmations, je programmais l'argent sans savoir. Maintenant, je vais mettre l'accent sur ces phrases pour pouvoir installer le logiciel de l'argent. Je parle beaucoup d'église, d'association, mais je n'ai jamais entendu parler de comment il faut installer le logiciel de l'argent. Comment on peut vouloir que Dieu nous donne de l'argent et le Dieu qui veut nous donner de l'argent, ce Dieu est défini comme un Dieu qui est mauvais. C'est à travers nous que le monde pourra crier que Dieu est bon, que Dieu est grand. Gratifiés par les enseignements reçus, les participants savent désormais qu'il leur faut changer le logiciel de l'argent afin de demeurer avec Dieu pour vivre l'abondance financière toujours et partout.